Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la Window. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 2 avril. Pour rappel, chère Window Family, nous avons rendez-vous tous les jours du dimanche au vendredi à 18h heure de Paris pour visualiser les quotidiennes en live. Cette présente vidéo est enregistrée au préalable. Mais nous pouvons à 18h échanger via le chat. Donc si vous êtes intéressé, que vous êtes seul de votre côté, n'hésitez pas à rejoindre ce rendez-vous quotidien pour pouvoir sortir un petit peu de l'isolement et communiquer, échanger, partager, se retrouver quoi. Voilà les amis, je vous remercie à tous d'être présents pour ceux qui sont là, bien évidemment. Sinon, de toute façon, la vidéo est disponible en permanence sur la chaîne. Donc si vous ratez le live, ne vous inquiétez pas. Allons-y pour les énergies de ce jeudi 2 avril. On a la reine éveillée qui vient sauter. Pardon, hop, on est dans ce sens-là. Qui nous parle de rêve et même de rêve. On nous parle de bien collectif ici. Hein, donc là, c'est pour moi, il y a la conscience collective qui s'active d'une manière globale et simultanée. Il y a vraiment une prise de conscience par rapport à cette notion d'illusion, hein. Ce qui était faux jusqu'à maintenant et des réalités vraies qui viennent nous sauter aux yeux, tout simplement. Il y a une prise de conscience, hein, par rapport à une vibration, au fait que tout est énergie, au fait de savoir ce qui circule sur Terre réellement, ce qui est réel, concret, et ce qui est illusion. Ok? Donc, ça peut paraître particulier ce que je vous dis, mais pour moi, c'est un message important. Donc, je poursuis les amis avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés et on va voir l'énergie du jour. C'est le roi aigle. Le roi aigle qui nous parle d'une prise de... Pifly est en forme aujourd'hui, hein? Ah oui, Pifly! Les deux s'amusent. Le roi Aigle nous parle de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations ici. J'ai un truc qui me dérange sur... Ok. Oups. Oh, je peux régler la luminosité ici. Oh, waouh. Ok. Anyway. De prise de hauteur par rapport à certaines situations. Elle nous parle d'une prise de conscience, d'envisager un nouvel envol, de se libérer de quelque chose. On a pas mal de plumes ici qui viennent nous parler de signes, ok? D'aide, de signes, de messages qui vous arrivent peut-être dans vos rêves ou de messages si vous allez faire vos courses ou comme ça, vous trouvez quelque chose sur le chemin, quelque chose qui attire votre attention et qui a sa raison d'être en fait sur votre chemin. Ok, beaucoup de sagesse, de réflexion, bien évidemment. Et ici, on voit une situation dans son ensemble. On ne se focalise pas que sur son point de vue personnel. On envisage une situation sur son ensemble, avec différents paramètres qui sortent de notre zone de confort. On voit vraiment une situation dans sa globalité. Et ça nous permet une nouvelle perception, bien évidemment. Ok les amis, on démarre avec le tarot. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous, que vous trouvez des occupations, que la vie vous est douce, que vous dormez bien la nuit, parce que j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui avaient du mal à dormir en ce moment. Alors, voyons voir pour ce jeudi 2 avril 2020 pour la Window Family, les messages. On y va. À la coupe, nous avons la lune et le roi de coupe. Donc, effectivement, la lune, elle vient nous parler de messages hein, qui vous arrivent dans vos rêves. Ça nous parle d'une période de réflexion, une période d'incertitude. Oh, attendez, il y a trop de lumière là. Il y a trop de lumière juste. Hop. Ouais, c'est mieux. Donc, d'une période d'incertitude, ok? On est dans une réflexion.
Ça peut concerner les émotions. Ça peut être des pensées qui reviennent de manière cyclique, vous voyez, qui reviennent un petit peu tous les mois à votre esprit. Il y a cette forme de brouillard. On ne sait pas ce que va advenir sur le chemin. Et il y a cette notion peut-être d'avoir une décision à prendre, d'avoir un choix à faire. Ça peut être un choix de lieu de vie, comme ça peut être un choix sentimental. Ici, on a du mal à y voir clair. Ça peut vraiment être sentimental parce qu'on a le roi de coupe à côté. Et en même temps, le roi de coupe, il sait ce qu'il veut émotionnellement, il est très équilibré. Mais là, j'ai une personne qui regarde vers le passé quand même, qui n'est pas dans le présent, on est dans l'obscurité, et on essaye de faire le bilan par rapport au passé, et on ne sait pas trop où on va, sur quelles eaux naviguer. OK? Donc, voilà. J'ai ici une personne qui peut être très amoureuse de vous, une personne très stable émotionnellement qui est en train de travailler à quelque chose. On nous dit par rapport à cette obscurité, en tout cas par rapport à votre mental, il y a une situation où on arrive au bout, on arrive au bout de tout ça, on va démarrer un nouveau cycle. Donc à mon avis, le soleil ne devrait pas être très très loin dans ce tirage. On a l'impératrice, le pendu, que de l'arcane majeur. Bim! Oh! Oh! Il y a des projets. Il y a des projets qui se préparent. Il y a des projets qui sont en gestation, j'ai envie de vous dire. L'impératrice, c'est la maman. C'est celle qui enfante. C'est celle qui donne vie à des projets. C'est la douceur, la bienveillance, la gentillesse, c'est l'amour. C'est la personne qui souhaite prospérité, abondance, réussite. C'est vraiment une personne bienveillante, l'impératrice. Et on est donc dans cette énergie de vouloir mettre des projets en place qui vont vraiment porter leurs fruits. Okay? Aujourd'hui, on nous dit qu'on est bloqué, qu'on est pieds et mains liés par rapport à ces projets-là, qu'ils sont toujours en cours de gestation, on est toujours à l'affût de nouvelles idées pour peaufiner tous les petits détails ou comme ça. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien en cette période parce que vous essayez vraiment d'envisager une situation sous tous ses angles. Donc ça, c'est très intelligent en fait. C'est très intelligent de prendre votre temps à ce niveau-là. Il y a aussi, ça peut nous parler de réflexion par rapport à de qui vous allez vous entourer pour ce projet. Parce qu'ici, on a des liens. Vous voyez, le pendu, en général, il est attaché sur le Marseille, il est attaché à deux troncs d'arbres, en fait, qui représentent un petit peu la famille ou les liens de vos proches ou comme ça. Donc, ça nous parle de qui va être engagé dans ce projet-là, qui va être impliqué dans ce projet-là. Et est-ce que ces personnes sont des personnes qui vont porter le projet ou qui vont vous empêcher de prospérer? Donc il y a une réflexion par rapport à cet entourage-là, à trouver le bon équilibre pour aller vers la combinaison gagnante. La combinaison gagnante, c'est le chariot. Wouhou, c'est le triomphe. On n'a que de l'arcane majeur. On n'a que de l'arcane majeur là. Le triomphe. Donc en fait, ici, c'est la carte qui nous dit que vous allez vers cette réussite. Il y a cette notion de faire avancer malgré tout ce projet-là. Je ne sais pas, vous avez l'attente, quelque chose qui prend vraiment du temps en plein centre, et en même temps, vous avez le chariot qui va de l'avant, qui va de l'avant, qui ne sait pas trop comment gérer ses chevaux. Hein. Il y a toujours une forme d'incertitude, hein. Il y a vraiment cette recherche de vraiment envisager toutes les possibilités ou comme ça. Donc, j'en vois certains qui se prennent quand même pas mal la tête par rapport à des projets ou par rapport à la réussite d'un projet ou comme ça. Donc, ici, ça, il se peut que en surface, on mette les choses en ordre, tout paraisse clair, tout paraisse évident. Et en dessous de la table, ben, il y a encore pas mal d'incertitudes, de confusion à savoir dans quelle direction prendre. En général, la carte du chariot, c'est une carte qui se met en action, qui nous pousse vers la réussite, qui... Attendez. Puis oui. Non, pas sur l'ordi. Malheur, Pitchoun. Bah, viens dire bonjour. J'ai ici une carte qui nous dit que vous allez de l'avant, en tout cas. Que vous avez envie d'aller de l'avant. Mais le fait est qu'on sait très bien que les choses sont un petit peu bloquées en ce moment. Donc, on va voir le challenge et la force. Mais ce que je peux vous dire sur le chariot, c'est que c'est une carte de réussite, c'est une carte où on se montre, où on ose faire avancer un projet,
on ose se lancer dans quelque chose, on se met en action avec le chariot et de manière triomphante. Alors, le challenge et la force. Le challenge, c'est le valet de coupe et la force, c'est la reine de coupe. Donc, on est sur les émotions. Et l'issue, c'est le roi de denier. Donc, c'est pas foufou parce qu'on est sur des. Enfin, c'est pas foufou. On est sur des personnages de cour ici. Donc, c'est des messages peut-être un petit peu moins forts que les arcanes majeures. Mais en tout cas, dans le challenge, en fait, c'est de gérer ses émotions. Des émotions qui peuvent être débordantes ou vous voyez un trop-plein d'émotions qu'on nous invite à canaliser en fait avec le pendu pour être plus dans la réflexion, plus pragmatique, plus logique ou comme ça. Et c'est la force aujourd'hui parce que la reine est généreuse, la reine de coupe est généreuse, la reine de coupe a envie d'offrir, de partager et d'être vraiment de bon cœur, de faire plaisir à tout le monde comme ça. Et en même temps, la reine de coupe, elle sait quand c'est le moment de fermer sa coupe, de fermer son cœur un instant, de calmer les émotions pour mettre des choses plus pragmatiques en place. On a l'impératrice, le chariot et le roi de denier. Donc effectivement, là, on réfléchit à des questions moins sur les émotions et plus dans l'action financière et matérielle. J'en ai certains qui sont dans. Ça prend du temps. J'en ai certains qui pensent à un déménagement, qui cherchent à organiser ça, à mettre les choses en place par rapport à un déménagement. Mais le roi de denier, il est hyper serein. Il veut construire sur du long terme. Il veut construire sur de la stabilité. OK? Donc pensez-y de prendre le temps de la réflexion, de voir de qui vous vous entourez. Vos projets, ils sont j'ai pas envie de, je vais pas vous dire divin, mais ils ont leur raison d'être avec le roi aigle. Vous êtes poussé à votre propre réalisation, à votre propre épanouissement, à aller de l'avant pour vous. Et on vous parle vraiment de stabiliser, de stabilité, de construire sur du long terme. Les émotions ou l'amour ou comme ça, on nous dit que ça viendra après, dès que vous aurez stabilisé une situation. On vous dit que vous pouvez, enfin, on vous dit que il y a des liens, on voit qu'il y a des liens auxquels vous êtes attachés. Mais ce n'est pas le moment de laisser les choses exploser au niveau émotionnel. On vous invite à vous concentrer sur votre stabilité matérielle et financière sur le long terme, à vous assurer que vous êtes stable, bien ancré, pour ensuite développer tout ce qui est émotionnel et spiritualité, j'ai envie de vous dire. Alors, ce qui est très important. Pour certains d'entre vous qui le demandent, c'est que pour le travail de développement personnel, pour le travail d'éveil spirituel, il y a une chose qui est très importante, c'est d'être parfaitement ancré dans la matière, de parfaitement s'assumer dans la vie, d'avoir vraiment un chez-soi, de vraiment pouvoir gérer sa vie matérielle. C'est quelque chose qui est important dans le spirituel parce que si on n'est pas bien ancré sur les premiers chakras, on peut pas faire un travail constructif en fait. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour vraiment pousser le travail parce que j'avais un rejet par rapport au matériel, à l'argent et tout ça. Et j'ai dû beaucoup travailler dessus pour pouvoir m'ouvrir réellement aux dimensions plus spirituelles. Mais tant que j'étais pas ancrée, j'étais vraiment comme un petit oiseau, hein. Je travaille toujours à l'ancrage. Je travaille toujours à l'ancrage via des méditations ou des choses comme ça. Au départ, moi, ce n'était pas mon fort, les méditations. Hein. J'ai vraiment commencé avec des méditations d'une minute de respiration parce que moi, je ne tenais pas en place. J'ai un ego au départ et un mental hyper imposant. Donc, ça m'a pris des années pour me calmer, calmer l'esprit, calmer les pensées et arriver à faire des méditations déjà dans un premier temps guidées qui me forçaient à apaiser vraiment tout le système nerveux et le système psychique, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. On y va pour le petit Lenormand. On a des opportunités à travers de la communication, des écrits, des échanges d'emails ici. Ça nous parle de destin quand même. Hein. Ça nous parle de choses qui ont leur raison d'être à nouveau. Hein. Alors, on y va. Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle à nouveau de. C'est un petit peu, ça peut être la carte de l'impératrice, l'ours, la personne qui prend soin d'eux, qui materne, qui couve les gens autour d'elle. Ça peut aussi nous parler de financier ici.
Donc ici, il y a des discussions par rapport au financier. Il peut y avoir des choix à faire au niveau du financier, du matériel comme ça. Il y a peut-être des discussions. Ça peut être, je sais pas, j'ai cette notion. On dit, il y a l'espoir de. Oh, ça y est, j'ai des fourmis dans mes jambes. Il y a l'espoir de. Ouais. J'ai des personnes qui sont en train de régler des situations vis-à-vis du matériel et du financier. Ça demande une prise de position, de faire des choix. Il y a des discussions en cours pour aller de l'avant. Pour certains d'entre vous, il est question de vraiment régler une situation financière et matérielle pour éventuellement envisager un déménagement. En tout cas, il y a des pourparlers, il y a des opportunités. À nouveau, des nouvelles, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, hein, peut-être par rapport à la mise en place de nouveaux projets, il y a des discussions, des pourparlers, des négociations, des conciliations, soit pour. Attendez, on va voir la suite. Ouais. Oh. Moi, je vois des discussions. Je vois des discussions par rapport à votre entourage, votre réseau, des personnes qui sont amenées vraiment à parler avec différentes personnes. Ici, il y a une opportunité de s'élever socialement, de s'ouvrir à peut-être de nouvelles personnes, de nouveaux réseaux. Okay? J'ai vraiment cette possibilité de nouveaux projets, des projets autour du médical, du juridique, de la santé, des projets qui vous ressemblent, des projets où ça me parle d'authenticité, de sincérité, de. Donc écoutez, ici, on a également des nouvelles qui arrivent vis-à-vis d'une personne qui est sincère, hein, qui veut vous parler de nouveaux projets, qui veut vous proposer des choses. Il y a des discussions en cours, il y a une opportunité. Ça peut être par rapport, pour moi ici, ça peut être par rapport à des métiers publics, à des métiers qui vous demandent de vous mettre en avant, de vous exposer, qui vous demandent de communiquer beaucoup. OK? Ici, on est vraiment sur travailler sur un engagement. Je peux avoir des nouvelles par rapport. J'aurais la tour, j'aurais dit la banque. J'ai pas tout à fait la tour et l'ours. Non, 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 c'est pas ça du tout pour l'instant. Ça, on l'a déjà vu. Oh. Ok, je n'y vais pas. Il peut être question de déplacement à venir, de choix de lieu de vie, de choix de voyage à venir ou d'élévation. Hein. Il y a une élévation pour certains sociale, hein. Plus d'argent, plus d'élévation sociale. Ça amène un engagement. Ça mènera ça, tout ça, là, toutes ces discussions, toutes ces réflexions, toutes ces propositions, ces portes qui peuvent s'ouvrir. Il y a des questions juridiques, financières, enfin, il y a des trucs à mettre en place, ça c'est certain, à travers la négociation, les discussions, on voit bien les nouveaux projets, les nouvelles, le fait de s'ouvrir, d'en discuter, d'être entouré, de voir du monde, et il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement à venir. Ça conclura. Ici, on me dit qu'il y aura une concrétisation. N'oubliez pas que c'est le destin. C'est le destin. Donc, soyez confiants par rapport à cet avenir. Ensuite, on y va avec le petit Lenormand. Non, le petit. Non, pas le petit Lenormand. Le 77. Oui, le 77. J'espère que vous allez toujours bien sur le live, sur le chat. On poursuit, les amis, pour ce jeudi 2 avril, sur la guidance générale avec les 77 d'Alioski. J'espère que tout cela vous apporte des messages, vous parle et vous porte. Alors à nouveau cette notion de nouveaux projets. Écoutez, on a les enfants, on a eu l'impératrice, on a les nouveaux projets, la femme. J'ai vraiment quelque chose en gestation ici, hein. J'ai vraiment quelque chose en gestation qu'on a envie de voir naître. Donc bien évidemment pour certaines familles, ça nous parle de grossesse, hein. Mais pour d'autres, il s'agit vraiment de projets qui nous tiennent à cœur. C'était pourquoi le nom? Alors, on va voir. On va voir.
l'inattendu, le financier et matériel. Bon, ça, c'est vraiment on l'a pas vu venir, quoi. Des retrouvailles, des échanges, une transformation, à nouveau le trèfle, vous, la vague d'abondance, le choix à nouveau. Oh. Bon. Transformation par rapport à un lien fort entre deux personnes, par rapport à des membres d'une même famille, par rapport à deux personnes. Ici, ça nous parle d'échange, de communication, de désir, de contact. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en pleine transformation par rapport à cet environnement-là, qu'il soit amoureux, sentimental ou familial. J'ai une transformation qui s'opère, ok? J'ai une vague là, j'ai une nouvelle vague, j'ai une nouvelle possibilité qui arrive, un nouveau flot. On vous dit de laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes là, parce qu'il y a une transformation qui arrive, clairement. Soit on l'a pas vu venir, soit on n'arrivait pas à y faire face, à faire un choix. Mais le destin nous y pousse, le destin nous y pousse. Il va falloir, on va aller de l'avant à un moment donné. On va aller de l'avant par rapport à des projets matériels ou financiers. Ici, on a toujours cette carte de discussion, de négociation. C'est la carte en général des retrouvailles entre deux personnes, d'un retour de communication comme ça. Ok? Et ici, c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire, comme tirage. Parce que j'ai une personne qui ne voyait pas comment se sortir d'une situation financière et matérielle ici, qui n'en voyait pas l'issue. Et pourtant, il y a une transformation qui s'opère de manière soudaine. Je peux vraiment avoir un retour de communication, des échanges par rapport à un déplacement ou comment faire avancer une situation matérielle au niveau de l'immobilier. Vous voyez? Il y a un coup de chance, hein. Il y a le destin qui va porter une situation à un déblocage ici avec des choix. J'ai un choix d'amour, j'ai un choix par rapport à la famille qui est fait, avec plus d'abondance à venir. C'est vous, hein. C'est vous qui portez ces projets et qui malgré vous, il y a vos espérances qui ressortent ici et qui amènent à une transformation. Il faudra bien comprendre à un moment donné que pour que cette transformation s'opère, il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose du passé à lâcher. Parfois, c'est comme ça, le destin nous pousse à. Dans nos retranchements ou comme ça, comment vous dire? Ben, clairement, hein, le destin nous met face à une réalité qui nous pousse à en terminer avec un cycle, ne serait-ce qu'énergétiquement, pour pouvoir provoquer la suite, en fait. Parce que parfois, c'est nous-mêmes qui bloquons le cours des choses ici. On nous dit vraiment de laisser couler, hein. To go with the flow, vraiment, d'aller avec le flow, que ce qui doit être sera. Hein. La carte du trèfle, c'est vraiment ce qui doit être sera de toute façon. On ne peut qu'avoir confiance en ça, mais il y a une transformation là à venir quand même. Hein. Alors, on y va avec l'améthyste. On reçoit des nouvelles. Des personnes qui retirent le masque, des personnes qui n'ont pas été très vraies jusqu'à maintenant, très honnêtes. Que se passe-t-il? Qu'ont-elles à nous révéler ces personnes? Pourquoi portaient-elles un masque? Ouais, ça guérit là, ça retrouve un calme, un équilibre, ça a envie d'échanger. Hein. Vous recevez des nouvelles, vous en donnez, c'est mutuel là, c'est partagé. Alors, l'addiction, non, bien, le trèfle à nouveau, l'éphémère, la pause, l'amour envoûtant, l'amour véritable et karma. Oh, j'en veux plus, j'en veux plus. J'en veux plus. Donc ici, j'ai une prise de distance par rapport à un lien qui vous est nocif, un lien qui vous est toxique. J'ai ici des personnes qui prennent de la distance. Par rapport à un entourage ou des personnes qui ne leur font pas du bien, ok?
on n'en a plus envie. On n'a plus envie de choses qui nous sont nocives, on n'a plus envie de liens d'attachement qui ne sont pas constructifs en fait. Ok? Donc ici j'ai un amour qui est clairement en pause. J'ai un amour qui est clairement en pause et j'en ai certains qui sont complètement réfractaires même à l'amour en ce moment. J'en ai certains qui ne croient même plus en l'amour vrai, l'amour mutuel. Ça, ce sont, je vois des célibataires ici qui ont mis en pause leur vie amoureuse et pour eux, il ne peut rien se passer sentimentalement. Pour certains d'entre vous, l'amour amène toujours à quelque chose de toxique, de négatif et l'amour réciproque ou comme ça, c'est comme si ça n'existait pas pour vous. On vous dit que c'est pas grave que vous pensiez comme ça, que ça a sa raison d'être, c'est karmique en fait. Ça vous permet de faire un travail sur vous-même pour lâcher prise par rapport à votre perception de l'amour, de comment partager l'amour, comment vivre l'amour à deux. Ok? C'est à nouveau le destin là qui vous pousse dans vos retranchements, hein, qui vous met face à vos propres limites. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est très étrange. Cette carte du non, je vais en retirer une parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est retenue en pensant vivre une relation réciproque et on me dit que non, qu'en fait c'est quelque chose de toxique. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une sœur. J'ai une personne ici, j'ai le message qu'on me dit que cette personne n'est pas engagée, cette personne n'est pas en couple, mais elle est dans une dépendance affective. J'ai ici une personne qui est à distance de vous, qui est encore dans une dépendance affective passée, qui est blessée. Donc on vous dit que non, elle n'est pas engagée, elle n'est pas en lien d'amour, mais elle est blessée pour l'instant. Ok? Ça ne veut pas dire qu'elle n'éprouve pas de l'amour pour vous, mais pour l'instant, elle est blessée. Donc, il va falloir attendre que l'occasion soit bonne et propice pour s'ouvrir à une relation. Si vous attendez une personne comme ça, c'est le message. Et il va falloir y aller très doucement avec cette personne pour l'apprivoiser, en fait. Il y a un lien à tisser petit à petit. Hein. Parce que là, il y a un nettoyage karmique à faire pour certains d'entre vous. Par rapport au sentimental. J'ai des personnes qui sont quand même blessées dans leurs croyances par rapport à l'amour et l'engagement, qui n'y croient plus trop. Alors, on a un nouvel amour, le règlement. Ok. Eh bien, on va poursuivre. Le roi de coupe. Oula! 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 Mais pourquoi? Ça commence bien et. Le voilà le soleil. Le voilà le soleil. Pourquoi elle souffre cette personne? Ouais, ok. Écoutez, oh, et l'impératrice qui revient. J'ai une personne très amoureuse, très très amoureuse. Très 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 amoureuse. J'ai une personne ici qui est prête à construire de manière stable émotionnellement, qui veut se lancer dans une nouvelle histoire. Ici, j'ai vraiment une nouvelle rencontre à venir pour certains d'entre vous avec une personne vraiment stable émotionnellement. Mais pour qu'elle en arrive à ce degré de stabilité, comprenez que elle est en train de travailler sur elle.
Elle est en train de travailler à son équilibre financier et matériel. Et je vous le dis tout de suite, j'ai ici une personne qui est encore attachée. Comme je vous le disais là, j'ai une personne qui est encore dans une tristesse. Hein, on le voit avec ces deux cartes-là. J'ai une personne qui est encore dans un état de tristesse, dans un lien d'attachement. On le voit ici, qui n'est pas encore prête pour ce renouveau sentimental, clairement. Pourquoi? Parce qu'elle est encore prise par des liens. Elle est encore prise par une blessure, par un chagrin. C'est très pesant, c'est très douloureux. Donc, elle est encore prise dans un environnement aussi, j'ai envie de vous dire. Un environnement dans lequel elle est bloquée. Donc ici, j'ai une personne qui est bloquée, à qui ça va demander du temps de se réouvrir. Okay? Sachez que cette personne est en train de travailler à régler une situation, qu'elle est en train de remettre de l'ordre dans sa vie, qu'elle a besoin de retrouver une stabilité financière et matérielle. Au niveau de ses émotions, ce n'est pas le problème. Okay? C'est juste qu'elle les met de côté pour l'instant parce que c'est une personne, c'est un roi. Donc, c'est une personne qui va être sur la logique, sur les actions concrètes. Et pour l'instant, le concret, c'est tourné plus vers le matériel, le financier, le travail. Okay? Donc, c'est une question de temps ici, on me dit. Il faut laisser du temps. J'ai une personne qui est en pleine renaissance à elle-même. Pour moi, il y a des sentiments vrais. Il y a des sentiments vrais à venir. Que vous connaissiez déjà cette personne ou pas, j'ai une personne qui a besoin à un moment donné de s'ouvrir, qui va avoir besoin à un moment donné de révéler tout l'amour qu'elle peut éprouver, tout l'amour qu'elle a envie de partager, de vivre, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur. Il y a ce besoin de communiquer à un moment donné, de révéler les choses, d'offrir une seconde chance. Parce que c'est ici, j'ai une personne qui s'est mise en pause. Donc, ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne, vous avez déjà eu des échanges avec cette personne, vous savez très bien quelle est sa situation, vous savez très bien qu'elle est déjà engagée ou qu'elle a déjà été engagée et qu'elle est en pleine renaissance à elle-même. Okay? Elle a besoin de ce temps-là, mais elle est prête à s'ouvrir avec la carte du jugement. Comprenez sa confusion actuelle par rapport à retourner dans une histoire d'amour. Elle n'est pas prête à ça. Elle est au niveau émotionnel, mental, elle n'est pas encore prête à ça, elle n'est pas encore prête à s'ouvrir. Elle n'est pas du tout dans l'action, elle est dans le mental. Comme je vous l'ai dit là, elle est en train de régler des situations. C'est très important parce que c'est quelque chose qui est un peu durable. On a la papesse et la lune. J'ai une personne qui est en pleine confusion, qui ne comprend pas ce qui lui est arrivé, qui ne comprend pas tout le chagrin qu'elle éprouve. Elle a beaucoup de choses à régler, en plus au niveau paperasse et tout ça. Et j'ai une personne qui est perdue, qui est un petit peu perdue dans sa nuit noire, pour ceux qui connaissent ces termes-là. J'ai vraiment une personne qui a besoin d'au moins un mois quoi, pour se ressourcer, pour y voir plus clair. Parce que là, elle est pieds et mains liés, elle est bloquée dans son mental, elle est froide, elle peut être distante. Elle peut être distante. Bien qu'à la coupe, on ait eu les échanges, hein, on voit bien que la personne va se réouvrir. Et elle a envie de chaleur dans son cœur, elle a envie de bonheur, elle a envie d'un amour vrai. Mais là, il faut qu'elle digère. Là, il faut qu'elle digère. Il y a une personne qui a été trompée, à qui on a menti. Et puis, il y a ce lien qui demeure. Hein. Donc, autant qu'elle se purifie, hein, parce que là, il faut vraiment qu'elle se purifie, qu'elle retrouve son équilibre intérieur pour pouvoir être complètement disponible à cette nouvelle histoire d'amour. Hein, parce que cette nouvelle histoire d'amour, elle est là, elle est joyeuse, elle est heureuse, elle est abondante, elle est abondante. Elle va sur du long terme, elle veut se construire sur du long terme, regardez, le couple, il est là. Mais il faut ouais, l'ermite. J'ai une personne qui connaît ses sentiments, hein, qui sait qu'elle a envie d'un couple, de construire sur du durable comme ça. Peut-être même qu'elle a envie d'avoir des enfants avec vous, d'avoir une famille avec vous, de connaître ce bonheur-là. Mais c'est peut-être des choses qui lui sont complètement nouvelles aussi. Hein. Puis il y a des choses à digérer là, hein. Il y a vraiment des choses à digérer. Hein. À voir, hein. Le pont du futur. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en d'autres decks, on a l'âme sœur, ok? Mais pour comprendre le lien d'âme sœur, déjà, âme sœur en général, c'est karmique. Hein. Ça veut dire que l'addiction ici à une personne du passé ou comme ça, c'était une âme sœur pour cette personne-là. Donc un lien très très fort. Mais les âmes sœurs, on sait qu'elles sont là pour faire ressurgir des blessures et nous permettre d'en guérir. C'est pas nécessairement des personnes qui sont là pour rester dans notre vie éternellement. Mais n'empêche que le lien, il est hyper fort. Donc voyez si ça résonne avec vous, si ça vous parle. Parce que là, j'ai vraiment... Une personne qui comprend que, voilà quoi, elle avait sa moitié, elle avait son âme sœur, quoi. Elle était avec son âme sœur. Donc,
d'en finir avec un lien comme ça crée beaucoup de blessures parce qu'il y a de l'attachement, parce qu'il y a une vraie tendresse, il y a un vrai amour. Donc j'ai une personne qui est en train de comprendre cette notion d'âme sœur et de lien karmique et de pourquoi ça arrive dans sa vie et pourquoi autant de confusion et comment construire derrière en fait, en quoi croire de nouveau. La personne, elle a besoin de croire à nouveau en... J'ai deux fois un 2 là. Dans son mental, dans sa logique, elle a besoin de comprendre. Au-delà du cœur, hein, parce que le cœur, c'est une personne hyper aimante et généreuse. C'est pas le souci. Une personne qui a besoin de temps pour se projeter vers l'avenir. Alors, on a les aides également, le pont du futur et les aides. Le pont du futur nous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent, les amis. Ça, c'est le roi aide aussi. Hein. Donc, voilà pour les cartes conseils. Je vous donne également la parole et le choix. Donc, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. L'entrave. Donc, voilà, des pensées d'amour envers vous-même. Choyez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous. Dites-vous des mots doux, câlinez-vous. Et on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il y a eu pas mal de cartes de carrefour, hein, donc vous le savez. Pour vous projeter vers aujourd'hui et demain, il y a une balance à faire, il y a un équilibre à trouver, il y a des choix à faire. Et vous êtes guidé. Hein. Pour moi, vous êtes poussé de façon à aller de l'avant. Et on le sent en ce moment, hein, il y a une énergie qui nous pousse comme ça à aller vers des chemins lumineux, différents. Il y a des choses qui changent hein, énergétiquement, on le sent. Donc voilà les amis pour ce tirage du jeudi 2 avril. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des messages. Moi je vous remercie tous de votre présence, que ce soit de manière globale ou sur le chat en live. Merci à tous de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre amour, de votre fidélité, de votre soutien. Ça me fait chaud au cœur et je suis ravie qu'on partage tout cela ensemble sur la Window Family. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti lorsque les vidéos sont mises en ligne. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est important de soutenir la chaîne en interagissant. Et voilà les amis, les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui, celles de cette semaine avec deux tirages au choix ainsi que les horoscopes d'avril. Tout est disponible sur la window, donc faites-vous plaisir. Moi je vous donne rendez-vous demain 18h heure de Paris pour la guidance du vendredi. D'ici là, prenez soin de vous, excellent jeudi à tous. Merci pour votre présence sur le live, sur le chat, je vous embrasse, à très bientôt. Et voilà. Prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye.